La vie. Vol rapide du temps. Fugitives aux années. Vous nous portez si vite au terme de nos jours. Qu'à peine les souvenirs des plus belles journées. Comme l'âcre parfum de belles fleurs fanées. Vient pour une minute en embellir le cours. Ah, pourquoi faut-il donc laisser sur notre route les êtres les plus chers, les espoirs les plus beaux, auxquels il nous faut dire un adieu qui nous coûte? Pourquoi le cœur saigne des épines du doute, le sentier que l'on suit se border de tombeaux? Pourquoi tous ces tourments d'une vie éphémère? Que croire? Qu'espérer si le monde, après tout, ne peut rien nous donner, rien qu'un peu de chimère? Que tout rêve est trompeur et toute coupe amère, et qu'il nous faut souffrir et pleurer jusqu'au bout? Mais non, parler ainsi n'est-ce pas un blasphème? Car Dieu plein de pitié pour notre humanité, faisant taire soudain sa justice suprême, nous ouvre grand son cœur, mais dans l'âme qu'il aime, j'atteins pas le rayon de sa félicité. Et le cœur se dilate et l'âme se redresse. Et grâce à ce miracle accompli par Dieu seul, le saint qui gémit s'élance un cri d'allégresse. Et l'homme enseveli sous sa propre détresse renaît à l'espérance en brisant son linceul.